Good morning, allez, Idén et Jus, aujourd'hui le Ménchouat Raester, Bat Miriam, ainsi que le Fat Olivier Israël Shimon Ben Raester, Hamshat Miriam Bat Roselena, et Binbin Ben Chbiba, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes. Et alors, nous étudions ma série de Rouen Perry Dalet Mishnah Vav. Ayushneim Mixat Amotav Shelze, Betor Hamotav Shelze, Mevi'in Ve Ochlin Ba'emza. Ou Bilouad Jelo Yotize, Mitor Shelo, Letor Shel Travero. Ayush Losha, Ve'emza, Imouv La Benehem, Hu Mutar Imahen, Ve'en Mutarin Imo. ושניים החיזונים אסורים זה עם זה. אמר רבי שמעון, למה הדבר דומה? לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, ופתוחות לרשות הרבים. ערבו שתיהן עם האמצעית, היא מותרת עמהן, והן מותרות עמה. ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. משנה רלטיבמן סמפל, סיסנה על הפן למשנה, רבי שמעון כאילו נופר קומפרזון וכאילו נלחה כאונליטי, il va ouvrir un tout autre sujet et parler d'autre chose. Ce matin, on va bien expliquer la Mishnah, Bezrat Hashem, en expliquant aussi assez proche des mots pour comprendre l'histoire avec Rabbi Shimon, et puis après, je prendrai un peu plus de temps pour expliquer la Mishnah. Ceux qui vont raccourcir le cours pourront sans problème l'arrêter, parce que ce sera une partie un peu annexe qui sera étudiée beaucoup plus profondément. Lorsqu'on arrivera plus tard au 6e Perek, Perek Hadar, on apprendra plus longuement les Ruvé Chatzerot, ça permettra de s'habituer aux notions. Pour le moment, je commence. On est en rapport avec la Mishnah précédente. On avait découvert plusieurs situations de personnes qui se retrouvent en dehors du trouble de Shabbat et qui n'ont que leurs quatre amot uniquement. D'accord? Vous savez, dans le cas précédent, on avait évoqué l'histoire de celui, par exemple, qui s'est endormi en pleine route, et bien quand Shabbat il est entré, qu'il n'a pas eu d'intention. Il y a encore d'autres cas de figure, on n'a que quatre amot. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de bouger de mes quatre amot pendant tout Shabbat. Maintenant, la Mishnah elle va s'intéresser à savoir hein, si j'ai une autre personne à côté de moi qui a lui aussi ses quatre amot. On n'a pas les mêmes quatre amot puisqu'on n'est pas à la même place. Mais on est côte à côte. On a par exemple deux amas entre nous, ou même trois amot. Il s'avère qu'en fait on a une partie commune. Et la question elle est de savoir est-ce qu'on a le droit de manger ensemble. Et la Mishnah va me dire que j'ai le droit de manger avec lui, mais en faisant attention. Est-ce que moi, comme j'ai moi mon domaine, je n'ai pas le droit de prendre les objets de mon domaine et les faire sentir, les faire entrer dans son domaine. De mes quatre amot. J'ai pas le droit de les prendre et les mettre chez lui dans ces quatre amot. Juste dans la partie commune. D'accord? Et mieux que ça, le Tosot Yom Tov rapporte au monde Rashi que même les objets qui sont chez moi, si je les prends, je les mets au milieu, il ne pourra pas lui les prendre et les faire entrer chez lui. Chacun son domaine et ses objets dans son domaine. Mais, grand chidouche, c'est qu'on a quand même le droit de manger ensemble, et on ne craint pas qu'on va faire passer d'un à l'autre. La Michal va nous prendre on va parler de deux personnes qui ont une partie commune. Et même de trois personnes qui sont en ligne, avec, on va prendre le cas où il y a deux amot d'intervalle entre chacun, d'accord? 1, 2, 3. Le 2, il a deux amot d'intervalle avec celui de gauche et le de droite. Et c'est-à-dire que lui peut manger avec les deux, il peut prendre des choses de l'un et les faire passer à l'autre. Les choses qui sont d'un côté, les faire passer à l'autre. Mais les deux extrêmes ne peuvent pas communiquer entre eux. Et si je continue avec le rashi précédent, ne peuvent pas prendre des objets qui étaient dans le domaine du 1, les faire passer au 3 au lieu des objets du 3 au domaine du 1. D'accord? Juste le 2, il a le droit de communiquer avec le 3 dans la partie commune, et le 2 avec le 1 aussi dans la partie commune. D'accord? On a fait presque toute la Mishnah. Donc je commence maintenant à traduire, ça va aller très vite. Ayushnaim, ils étaient deux, à chacun avoir quatre amot. Mitzat amotav shelze, betoch amotav shelze. Quelques amot, un petit peu de ces amot, c'est-à-dire quelques coudées de l'un, betoch amotav shelze, dans le domaine des amot des coudées de l'autre, des quatre coudées, donc on avait une partie commune de par exemple deux coudées. Eh bien, mevi'in ve'ochlin ba'emza. Chacun il peut prendre de ce qu'il a à portée de main, le mettre et le manger au milieu. On le mange ensemble. Mais attention, ubilvad shelo yotzize mitor shelo letor shel chavero. Mais à condition que on ne va pas prendre, qu'il ne va pas faire sortir l'un de ce qui était chez lui et le faire passer dans le domaine de l'autre. D'accord? Le Bartanois nous précise, même les objets qui sont dans mon domaine n'ont pas le droit de pénétrer dans son domaine. Donc en fait, je reprends, on a donc deux amot entre nous, j'ai du pain, je peux le mettre au milieu, il pourra le manger. Pourquoi? Tant qu'il est entre nous. Il n'aura pas le droit de prendre ensuite une tranche de pain et le mettre de l'autre côté chez lui. Parce que là, tu fais sortir mon pain du domaine. Ok, c'est clair? Nouveau cas de figure, même principe, Hayush Losha, ils étaient trois maintenant. 1, 2, 3, Aleph, Bet, Gimel. Et le deuxième, il est littéralement englouti entre les deux. C'est-à-dire il partage le domaine soit avec Reuven, c'est Shimon, soit il partage avec Reuven, soit il partage à moitié avec Reuven, à moitié avec Lévi.
Ou Moutarimaen, lui, il a le droit avec eux. Il a le droit de manger avec eux, de prendre ce qui est chez eux, de le manger. Soit je me tourne vers mon. Soit si je suis Shimon, je me tourne vers mon voisin Réhouven, je mange avec lui tout ce qu'il a chez lui. Je me tourne vers Shimon, je mange tout ce qu'il a avec lui aussi chez lui. Ou je leur donne même manger de ce que j'ai. Ou Moutarimaen ven Moutarimo, lui, il a le droit avec eux. Et eux, ils ont le droit avec lui. Par contre, Ushnaim Achitsonim, Asurim Zemer. Et les deux extrêmes, Réhouven et Lévi, eh bien. Asurim, Zeimze, ils n'ont pas le droit entre eux, ni de faire passer d'un à l'autre, ni pas même mon intermédiaire, ni même si je pose et qu'il récupère, comme ce qu'on a dit avec Rachid qui a rapporté ici. Ok? Sur ça maintenant, je vous prépare la suite. Rabbi Shimon va dire, il va nous rapporter un exemple, comme si on n'avait pas assez compris la Mishnah, il va nous rapporter un exemple en nous disant, c'est comme cette halakha là. En fait, Rabbi Shimon, apparemment, il va rapporter une preuve que cette halakha qu'on a dit, elle est vraie. Mais en fait, c'est bien plus vicieux. C'est Rabbi Shimon, il va nous dire, c'est comme cette halakha là. Or, vous, dans l'autre halakha, vous n'avez pas été d'accord avec moi. Et en fait, il va utiliser notre Mishnah pour prouver autre chose, pour prouver une halakha des Ruvé Chatzerot. Là, ça va se compliquer un petit peu. Je vous explique d'abord le cas. On va le lire, on va le traduire. Je vous explique simplement, après, on va expliquer un petit peu plus profondément. Amar Rabbi Shimon, il a dit, Rabbi Shimon, il est mal d'avoir dormi. Ben, ce cas-là que vous qu'on est en train d'apprendre, j'adapte directement. Ce cas-là qu'on est en train d'apprendre, que vous êtes tous d'accord. C'est le même cas que je vous avais raconté de l'autre histoire où vous m'êtes tous tombés dessus, que c'était pas juste ce que je disais, mais c'est exactement la même chose. Les mains d'Avardomé, à quel cas cela ressemble? Ça ressemble exactement au cas où les Shalosh Chatzerot, où il y avait trois cours, Aptuchot Zolezo, où il y a une ouverture de l'une à l'autre, et de l'un à l'autre, d'accord? Ou Ptuchot Lirshut Rabbim, mais chacune elle est ouverte vers la voie publique. Donc, le cas de figure encore, je reprends, on a trois cours. Trois cours avec des maisons. Ouais, c'est comme, on a déjà évoqué, à l'époque c'est fréquent, il y a la rue, et il y a ensuite chacun, il y a des cours qui sont partagés entre plusieurs habitations. Imaginez qu'en fait, chaque cour, elle est partagée entre deux portes. D'accord? Donc en fait, il faut un gros frat sérote pour chacune indépendant. À part ça, les cours peuvent communiquer entre elles, il y a des portes qui les relient, ou elles peuvent sortir directement sur la voie publique. Comme ça, le Barthénois présente, même si Rabbi Akiva Eiger, il se plaint que c'est pas exact. En tout cas, comme ça, il rapporte. Ok? Vous avez compris? Il y a la rue. Il y a numéro 1, numéro 3 et numéro 5. On est dans la partie impaire de la rue. Dans la cour numéro 1, il y a deux habitations. La famille Cohen, famille Lévi. Et l'autre, c'est la famille Israël et famille Yehuda. Et voilà. D'accord? On a deux, deux, deux. Il y a des portes ouvertes entre les deux, entre les cours. S'ils veulent, ils peuvent communiquer directement. Les enfants, ils aiment bien jouer ensemble. À part ça, chacun sort tout seul sur la voie publique. Et qu'est-ce qui se passe? Ervushten. Il s'avère que les deux extrêmes, le numéro 1 de la rue, le numéro 5 de la rue, ouais, c'est le moment impair, numéro 1 et numéro 5 de la rue, ils ont fait le Hérouve avec le numéro 3, mais il n'y a pas eu de Hérouve produit, de Hérouve et Hatzerot entre le numéro 1 et le numéro 5. On va expliquer le cas exactement quand il se présente. Mais c'est la même, apparemment la même histoire en fait. Il s'avère que maintenant, 1 et 3, ils se sont ralliés pour pouvoir communiquer pendant Shabbat. Numéro 3 et numéro 5 de la rue, ils peuvent communiquer ensemble. Mais le 1 et le 5, ils ne se sont pas reliés. Et sur ça, il dirait Michimon et Blin. Elle a le droit avec chacune indépendamment. Vehen Muterotima. Et les deux extrêmes ont le droit avec elle. Ou Shtaim Achitsonot, Asurotimzo. Tandis que les deux extrêmes, numéro 1 et numéro 5, n'auront pas le droit de jouer. Soit les gosses, ils vont vouloir jouer au foot. Dans la cour numéro 2, la cour du milieu, ouais, le numéro 3 de la rue, eh bien, ils pourront se réunir là-bas et jouer au foot. Mais par contre, ils pourront prendre aussi un ballon de la cour 2 et aller jouer dans la 1 ou dans la 5, tous ensemble. Mais on ne pourra pas prendre un ballon qui était dans la 1 pour aller jouer dans la 5. On ne pourra pas le transporter de là pour aller jusqu'à là-bas. C'est le même principe que la Mishnah. On a le milieu, il est permis avec les deux extrêmes, dans les deux sens. Mais les deux extrêmes, eux-mêmes sont interdits, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et sur ça, Chachamim ne sont pas d'accord. D'abord, je vous propose très succinctement ce que le Barthénois rallonge pour nous expliquer l'avis de Chachamim. Chachamim me dit qu'il y a une différence. Quand ils sont trois personnes, si toutefois il y a un objet qui va passer du 1 au 3, qui va vouloir passer au 1 au 3, eh ben, ils sont juste trois, ils vont se rappeler, hein, ils vont dire, ah non, il ne faut pas faire passer. Tout de suite, ils vont réaliser l'histoire. Alors que quand on va parler de cours où il y a plusieurs habitants, on va parler de cours, il y a plusieurs habitants. Alors là, du coup, on va plus faire attention, plus facilement, on va faire passer, on va facilement se perdre et s'oublier.
En théorie, on peut arrêter la Mishnah tout de suite. D'ailleurs, ça ne fera pas de mal qu'on l'arrête, mais je vais quand même, si vous voulez, je vous rallonge maintenant un petit peu mieux pour l'histoire de Rovir Hatzarot, parce que j'aime bien, quand on a des sujets compliqués qu'on va découvrir plus tard, les introduire déjà doucement, doucement. Comme ça, on va les introduire, vous n'allez pas exactement comprendre, mais la prochaine fois qu'on les reverra, vous verrez que finalement, vous avez quand même assimilé tant bien que mal des petites notions. Tout d'abord, Eruv Hatzarot. On est dans un autre sujet de Eruvin. On parle, Chachamim ont fait un décret, ça vient de Shlomo HaMeler. Il a fait un décret, on l'a déjà évoqué, que lorsqu'on a une cour commune entre plusieurs habitants, d'accord, on a une cour avec deux maisons, trois maisons, quatre maisons ouvertes. Il y a, en théorie, selon la Torah, on est tous enfermés dans un seul grand Rishut HaYachid, on fait sortir les objets des maisons dans la cour, deux cours dans la maison, chez les entre les voisins. Il devrait y avoir aucun problème selon la Torah. Il est venu Shlomo HaMeler, il a dit, la fin de décret, il a dit, commencez comme ça, et dans trois semaines, vous vous portez dans le Rishut HaRabim sans faire attention. Alors venons à faire quand on va faire des décrets, on va faire un petit peu d'ordre. On va décréter que, d'une partie très personnelle, tu ne fais pas sortir une partie plus commune. C'est-à-dire, chacun dans sa maison, il est tout seul chez soi. Dans la cour, on est maintenant trois copropriétaires dans la cour. Il s'avère que d'une certaine manière, je sors du Rishut HaYachid, de quelque chose de très personnel, à quelque chose de plus commun. Ça ressemble à faire sortir du Rishut HaYachid au Rishut HaRabim. Ils ont fait un décret, Shlomo HaMeler, elle a décrété interdit de sortir tant qu'on ne fait pas un Eruv. Le principe du Eruv consiste à dire que maintenant, chaque maison va prendre un pain et va le mettre dans une maison commune. Par là, ils vont exprimer, alors, il y a plusieurs manières, comment le dire, Rashi parle d'une manière, le Ridva. Le principe général est de dire que maintenant, on n'est pas trois Rishut distincts. On a un Rishut commun à tous, où on a une maison, en fait, on est devenu Eruv dans le sens qu'on est devenu tous mélangés, on habite tous ensemble. C'est vrai qu'on a chacun son propre lit et sa chambre privée, c'est normal, c'est vrai, mais tant bien que mal, on est, il n'y a pas ici des domaines privés et un domaine public. On est tous dans un domaine, soit public, soit privé, prenez-le comme vous voulez, c'est le même principe. On a tout a le même statut. C'est en ça que consiste le Eruv. Ça, c'est l'introduction générale pour le Eruv Hatzarot, mélanger les cours. Dans les cours, comment se faire pour se mélanger toutes les maisons qui appartiennent dans une même cour. D'accord? Comme c'est le cas ici. Il y a une autre halakha maintenant un peu plus compliquée. Elle n'est pas si compliquée que ça. Elle est fondée en fait sur ça. Notre Mishnah, elle est fondée, le Rabbi Shimon, il est fondé sur ça. Il y a une question. Pourquoi le numéro 1 de la rue, il n'a pas le droit de passer dans le numéro 5? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Apparemment, ils ont mis un héros ensemble. La gamma la rallonge beaucoup ici pour expliquer ça. Il y a, tout d'abord, imaginez maintenant dans une cour où il y a 5 copropriétaires. 3 qui s'entendent bien, 2 qui s'entendent pas bien, et 2 qui s'entendent bien avec les deux autres. Et les 2 veulent faire un Eruv tout seul, et les 3 veulent faire un Eruv tout seul. Ça ne marche pas. Parce que vous avez fait un Eruv, vous avez fait finalement qu'il y a 2 familles. Au début, on pensait qu'il y avait 5 familles. Finalement, vous avez fait un Eruv 3 ensemble, parce que c'est les 3 copains, mais ils ne supportent pas les autres. Ils sont ce que vous voulez, marocains, tunisiens, ashkénazes, trucs. Ils se parlent pas, ils ont pas d'affinité entre eux, chacun ils ont fait bande à part. Vous avez fait bande à part, bon, vous êtes devenus deux familles. Deux familles, vous avez toujours pas fait de Eruv entre vous. C'est là du tout. Ça marche pas. Pour faire le Eruv, faut que tout le monde soit ensemble. Faut être mitarev, faut qu'on soit tous ensemble, sinon ça marche pas. Et maintenant, on revient sur notre Mishnah, avec le cas de Rabbi Shimon où il y avait 3 cours. D'une certaine manière, c'est délicat, je sais pas comment le prendre. D'une certaine manière, c'est ce problème qui se passe. Lorsque celui du milieu, il fait un Eruv, le numéro 3 de la rue. 3, il fait Eruv avec numéro 1, et 3, il fait Eruv avec numéro 5. Tandis que 1 et 5 ne sont pas associés. Ça ressemble au même cas que je vous ai présenté précédemment, d'une certaine manière. Soit, il s'avère que maintenant, à part l'histoire où il y avait les 3 contre les 2, en fait, il y en avait un parmi les 3 qui a fait le Eruv avec les 2 autres. Mais les 5 ensemble n'ont pas fait le Eruv. Il y en a un qui est commun avec les 2, un et le commun avec les 2 autres. Il ne suffit pas pour leur faire la synapse. Ça ne marche pas. Il ne peut pas les raccoler comme ça. Il ne peut pas les relier comme ça. Il faut que tous, ils soient mitarvim, ils se mélangent dans le même Eruv. D'accord? C'est là le problème qui se pose dans notre Mishnah. Que maintenant, on a la cour du milieu qui fait un Eruv avec celle de droite, et fait le Eruv avec celle de gauche. Mais celles de droite et de gauche entre elles n'ont pas fait le Eruv. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire là quand tu fais un Eruv? Tu as envie de faire qu'on va tous devenir une grande cour? Mais ça devient un vrai problème.
on est devenu tous une grande cour, où finalement, pas tous les habitants se sont partagés le Hérouv. Ils ont fait bande à part avec une partie commune. Partant de ce principe, Rabbi Shimon, alors Rabbi Shimon nous dit, malgré tout, c'est là le grand chidouche de Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui vient de nous proposer un très grand chidouche, qui nous dit, c'est vrai, mais avec une différence. Réellement, réellement, il n'y a pas ici une grande cour commune à tout le monde. Il y a trois cours distinctes. Lorsque tu veux rattacher une cour, les deux premières cours, numéro 1, numéro 3, et rattacher la 3 et la 5, c'est vrai que par rapport à la 1 et à la 3, ils forment d'une certaine manière une cour. Mais si tu regardes la cour numéro 5, il y a une porte, ils n'ont pas forcément de rapport. Les habitants numéro 5 ne vont pas interdire sur la partie commune entre eux. D'accord? C'est là le principe qui se passe. Que Rabbi Shimon il nous a dit, finalement, lorsqu'on veut tous se relier, mais qu'on est de toute façon séparés concrètement par des barrières physiques et des portes qui nous séparent, eh ben, au pire, un, si tu veux te joindre à nous, tu te joins à nous, mais si tu t'es pas joint à nous, tu vas pas porter préjudice, tu vas pas empêcher le Hérouv de fonctionner. C'est l'idée de Rabbi Shimon qui propose, en fait. C'est pour ça que la partie du milieu, il peut faire le Hérouv avec celle de droite, il peut faire la partie avec celle de gauche, mais le fait que celle de droite et de gauche n'ont pas fait le Hérouv entre eux ne vont pas empêcher à celle du milieu de se partager avec eux. Et Chachamim, c'est un peu plus compliqué comment expliquer Chachamim. On peut se contenter sur ce qu'il y a écrit dans Barthé Noir. Chachamim, ils te disent, c'est vrai qu'en théorie, ta démonstration elle est bonne, mais concrètement, il y en a un qui va se mettre à porter malgré tout du numéro 1 de la rue jusqu'au numéro 5 de la rue, et finalement on n'aura rien gagné, on va transgresser des interdits Shabbat, donc on préfère interdire. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.